Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Instinct des Copos. Un épisode un petit peu spécial aujourd'hui car je tente une nouvelle série pour être un petit peu plus en contact avec vous tout simplement. Donc ce sera une série de vidéos un petit peu plus courte, un petit peu moins élaborée que ce que je fais d'habitude, dans lesquelles j'ai l'intention d'interagir directement avec vous. Ça fait un moment que je réfléchis à un concept justement pour être un petit peu plus proche de vous, et c'est suite à une question que m'a posé mon ami The Gros Paco sur YouTube, qui m'a incité à lancer la série. Alors je ne sais pas trop encore comment je vais l'appeler, parce que j'aimerais bien un petit peu la démarquer de mes vidéos habituelles. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre dans les commentaires de la vidéo. Toute bonne suggestion et la bienvenue. Ah, je veux aussi en profiter à la fin de la vidéo pour tirer au sort le gagnant de concours que j'ai organisé avec Ligou. Donc je vais le faire en direct là, devant vous là, sur mon ordinateur. Et puis voilà, donc comme je le disais, mon ami The Gros Paco m'a posé une question. Tiens, en parlant d'atelier, tu as pas une astuce pour couper droit avec une scie sauteuse? Je t'envoie une petite vidéo pour illustrer ma question. Dis-moi Anto, t'aurais pas une petite astuce pour couper bien droit avec une scie sauteuse? Alors la question peut paraître évidente pour certains d'entre vous, mais comme vous le voyez, l'évidence n'est pas forcément la même pour tout le monde. Alors mon cher ami, si tu veux couper droit avec une scie sauteuse, je te suggère d'utiliser un guide. Donc par exemple n'importe quoi, ça peut être un litho de bois, ça peut être n'importe quoi de droit, une règle en aluminium de maçon aussi par exemple, que tu vas fixer sur ta planche à une distance qui correspond en fait à la demi-largeur de ta semelle de scie sauteuse. Et ainsi tu pourras couper tout du long du rail et couper à peu près droit. Voilà, parce qu'une scie sauteuse c'est pas vraiment fait finalement pour couper super droit, pour ça il te faudrait une scie circulaire. J'espère avoir répondu à ta question. Donc vous, mes amis, si vous avez d'autres questions ou des remarques ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de la vidéo et j'en sélectionnerai un ou plusieurs pour la prochaine vidéo. Alors pour ne rien vous cacher, un vidéaste qui m'influence beaucoup sur YouTube, c'est Dr Norseman, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, vous allez voir, c'est une super chaîne. Il m'influence beaucoup car j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup ses concepts de vidéos aussi. Et il a notamment un concept qui s'appelle vrai ou faux, dans lequel en fait ses abonnés donnent des facts sur un sujet précis, qui peuvent être vrai ou faux, et donc du coup le Dr Norseman répond à sa question en disant vrai c'est ça ou faux c'est pas ça. Alors j'adore ce concept d'émission, je vais pas le reprendre parce que forcément bon j'aimerais bien trouver quelque chose d'un petit peu plus original que ça, mais voilà, dans l'idée c'est ce que j'aimerais bien faire un petit peu pour interagir avec vous. Si encore une fois vous avez des suggestions ou parce que voilà, là je nage un petit peu en plein brouillard pour tout vous dire, j'ai l'intention mais là pour le moment l'inspiration, bon c'est vrai que simplement répondre à des questions comme ça, bon, je sais pas si ça va vraiment vous plaire hein, ou s'il faut vraiment pousser un petit peu plus ce concept ou vous inciter plus à la réflexion. Donc je sais que certains d'entre vous sont très impliqués dans ma chaîne et qui ont tendance à me délivrer de sages conseils parfois. Si quelque chose vous vient à l'esprit, voilà, je suis preneur pour toutes ces gestions. Si vous voulez en discuter avec moi d'ailleurs, vous pouvez me retrouver aussi sur le Discord de l'émission. Là encore une fois, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça on pourra parler de vive voix. Et si vous avez des idées de concept un petit peu plus élaborées, voilà, et vous avez la flemme de tout marquer dans les commentaires de la vidéo, vous pourrez m'en parler de vive voix via Discord. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, maintenant on va sélectionner le gagnant du concours. Alors, pour cela, je vais me rendre sur YouTube. Ah voilà, donc c'est bon. Là, je suis retombé au tout premier commentaire. Donc maintenant, je vais scroller au hasard. Je vais en choper un vraiment tout à fait au hasard. Alors, hop là, on va faire ça. Hop, on remonte, on descend un petit peu, tac. On va prendre celui-là. Ah, donc c'est un commentaire en plus auquel j'avais déjà répondu. Donc voilà, Pascal Saint-Val, tu as gagné un kit de lampe Ligou. Voilà, félicitations à toi. Bravo, je t'invite à me contacter via la messagerie de l'Instinct des Copos. Donc tu trouveras l'adresse mail dans la section à propos de la chaîne YouTube. Donc voilà, c'est le mail pro, mais voilà, je t'autorise exceptionnellement à m'écrire là. Et là, on s'échangera les informations et je pourrais t'envoyer la lampe. Donc félicitations Pascal, bien joué. Quant aux autres, je suis désolé, j'aurais bien aimé vous faire gagner à chacun d'entre vous une lampe, mais bon. Vous vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué. Il y aura d'autres concours de toute façon sur la chaîne. C'est pas le premier, c'est pas le dernier non plus que je fais. Donc voilà, perdez pas espoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas j'espère que ce petit concept vous aura plu. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos suggestions. Je sais, je me répète. Je vous dis donc à vendredi prochain pour un prochain épisode de L'Instinct des Copos. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut.